Good morning, Aleiden, les tutres aujourd'hui, les Lunishmat, Nissim Ben Aouda et Sarah Batrana Rachel, ainsi que les Fouat, Eliou Machlouf Ben Hana, Ariya Kiva Ben Shachar et Refel, Zvulun Ben Chayam Alia Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Avot, Perek Vav, Mishnah Chet, Rabbi Shimon Ben Menasya Omer, Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai, Hanoi, Veakoach, Veosher, Veakavot, Veachochma, Veazikna, Veaseiva, Veabanim, נאה לצדיקים ונאה לעולם, שנאמר עטרת תפארת שבע, בדרך צדקה תימצא, ואומר תפארת בחורים כוחם, והדר זקנים שבע, ואומר עטרת חכמים עושרם, ואומר עטרת זקנים בני בנים, ותפארת בנים אבותם, ואומר וחפרה הלבנה ובושה החמה, כי מלאך השם צבקות בהר ציון ובירושלים, ונגד זקניו כבוד. רבי שמעון בן מנסיה נודי, au nom de רבי שמעון בן יוחאי. Au nom de רבי שמעון בן יוחאי, donc, il va compter 7 vertus. Dans les détails, on va en trouver 8, mais en fait, il y en a 2 qu'il faut lire ensemble, ça fait 1. 7 vertus, donc, qui sont Na'e la tzadikim ve Na'e la olam, qui sont bien pour les justes. Et bien pour le monde entier lorsque les justes les ont. Qui sont Hanoï, la beauté, la grâce dans le visage. Veakoach, la force. Veaosher, la richesse, les moyens. Veakavod, l'honneur. Veachochma, l'intelligence. Veazikna, Veaseiva, il faut le lire ensemble, qui est deux formes de vieillesse, c'est-à-dire Zikna, en réalité, c'est le côté, c'est plus l'aspect mûr et réfléchi lorsqu'il parle, le côté zekana chokhma, la Gemara explique que zikna, c'est zekana, zekana chokhma, c'est celui qui acquiert la sagesse, c'est pour ça qu'on appelle les vieux, les sages, les vieux d'Israël, les ziknei Israël, les sages d'Israël, parce qu'au contraire, ils ont eu beaucoup d'expérience, et ils ont une grande lucidité, un beau regard sur la vie, qui au point peut donner de bons conseils. Veabanim et aussi les enfants. Ces 7 vertus-là sont Na'ela Tzadikim ve Na'ela Olam. Ils sont bien pour les justes et bien pour le monde entier. C'est-à-dire, très simple, ces 7 atouts, 7 choses que le Tzadik, lorsqu'il les a, il les utilise au contraire pour décupler ses mérites. Et le monde entier jouit avec lui du fait qu'il ait ça. Un cas simple, par exemple, on va prendre le cas des banim, les enfants. Eh bien, lorsqu'un tzadik, il a des enfants, il éduque les enfants, ses enfants aussi, dans la Torah, et en faire des talmidei chachamim aussi. Et du coup, s'il y avait un tzadik pour une ville, on va avoir, Bezrat Hashem, une famille nombreuse, 7 garçons, chacun talmid chacham, chacun digne de bonne midot, montrer l'exemple, brillant dans la tête. Alors, donc, du coup, on remarque que les banim sont un prestige, une beauté pour les tzadikim, aussi bien pour eux, eux-mêmes en profitent, que maintenant ils décuplent leur mérite, ils ont apporté plein d'ovdei Hashem sur terre, ça leur augmente leur compte personnel de mérite. Et aussi, Na'ela Olam, c'est bien pour le monde entier, parce que maintenant ils vont profiter. Idem, maintenant on va les reprendre un par un et mieux les expliquer. La suite de la Mishnah consiste à rapporter des psukim, des sources à ces 7 vertus-là. D'accord, qui sont bien pour les tzadikim, mais bien pour le monde entier. Ce sera du travail un peu difficile à comprendre comment c'est écrit dans les psukim, mais on va s'en charger les Hashem dans le Kmal. Donc on les reprend un par un. Hanoï, c'est la beauté, le fait qu'il ait un visage gracieux. Quel est l'avantage d'être beau? Alors, c'est interprété de deux manières. Il y a le Midrash Shmuel d'abord, en ordre chronologique. Le Midrash Shmuel est plus antique, il date de l'époque du Arizal. Alors lui, il a expliqué le fait qu'au contraire, que c'est un moyen de surmonter son Yitzhara, comme Yosef HaTzadik, il était très beau. Du coup, la femme de Potiphar, lui, courait après, et lui, il a surmonté son Yitzhara. On remarque que sa beauté, ça lui a accroît, ça a fait grandir son mérite. Ses mérites, et c'est aussi bien pour le monde, parce qu'on regarde comment un homme aussi beau, il réussit malgré tout à se plier à faire la Avodat Hashem. Ça, c'est le pshat du Midrash Shmuel, tandis que le Tiferet Israël explique ça de manière plus... quelqu'un qui est beau gosse, qui trouve grâce lorsqu'il parle, il est beau. Du coup, on l'écoute mieux. On l'écoute mieux, et c'est un avantage pour le peuple entier, parce que maintenant, ce rave,
ce petit rabbin, ce grand rabbin, beau gosse, il va pouvoir partir parler au roi, partir parler au ministre pour arranger la situation de tous les juifs. Et étant donné qu'il est agréable, en plus d'être brillant, alors ça va donner encore plus de poids à ses paroles pour qu'elles se fassent accepter, d'accord ? Ve'akoach, la force, bien sûr, pour le tzadik. Il y a plein de mitzot où il faut plein de kochot, il faut de la poigne, il ne faut pas être quelqu'un de mou, avoir de la pêche, partir, faire, agir. Donc, plus on a du koach, on se lève le matin avec force, on prie avec force, on étudie avec force, on parle avec feu. Donc ça, c'est le koach. Bien sûr, c'est bien pour le tzadiké, mais c'est bien pour le monde entier. Ha-Osher, la richesse. Sans argent, qu'est-ce qu'on peut faire à notre époque, comme de tout le temps d'ailleurs. Avec l'argent, il y a plein de mitzvot qui demandent d'avoir de l'argent. Acheter des tefillin de Mehoudarot, s'il veut mettre des tefillin de Rashi, de Rabbeinu Tam, s'il veut avoir sa propre Megillah pour pouvoir lire, et bien, d'accord, chaque fête qu'on veut avoir dans le calendrier hébraïque, si on a des moyens larges pour le faire, on en profite nous-mêmes, le monde entier en profite, parce qu'on fait profiter tout le monde avec. À plus forte raison, s'il s'agit de tout simplement de donner de la tzedaka, d'aider les pauvres, ça c'est le rocher. Vea kavod et les honneurs. Les honneurs, c'est important pour le tzaddik, c'est-à-dire, dans la mesure où il est respecté, alors c'est positif pour lui, parce que du coup, quelqu'un qui est respecté, tout le monde se fait influencer par lui. Ouais, si c'est une halakha d'ailleurs pour un rave, un conseil que Moshe Feinstein avait donné à quelqu'un qui devenait rave Keïla, comment se conduire? Là-bas, il avait dit, c'est important qu'un rave, il garde son statut de rave, c'est marqué rapporté dans la Gemara, qu'il ne se montre pas en public en train de faire des actions un petit peu basses, même revenir avec des sacs de course, c'est plus digne à partir du moment où il a été nommé un niveau de rave, parce que c'est important d'avoir un rang honorable pour pouvoir se faire ensuite influencer les gens. Ça marche malheureusement, on vit dans le monde du faux, et c'est que en jouant le jeu d'être quelqu'un de super supérieur à tout le monde, que dans ce cas-là, on a une chance que nos paroles se fassent accepter. De ce fait, le kavod, c'est important pour le tzadik, et comme ça, il influence le monde entier ensuite. Ve'achochma, la sagesse. Alors là, il y a le gaon de Vilna. Il n'est pas d'accord de dire le mot ve'achochma. Parce que lorsqu'on est en train de parler d'un tzadik, c'est sûr qu'on parlait, par définition, un tzadik, il est sage. Je ne veux pas dire que la tzidkout, c'est bien pour un tzadik. Pareil aussi pour la chokhma, c'était évident qu'il fallait l'avoir. Mais malgré tout, on peut interpréter ça, tout le monde l'interprète, tout le monde le dit que c'est écrit. Et l'avantage, il est de pouvoir bien expliquer bien la clairvoyance dans ses études, pouvoir ensuite la transmettre au peuple. Vea zikna, vea seiva. Ce sont deux vertus de la vieillesse, comme on a expliqué. La zikna, c'est la sagesse, le fait qu'il soit bien mûr. Et la seiva, c'est le fait qu'il est la hadrat panim du vieux. Lorsqu'on a un rave avec une barbe blanche, rien que le voir, ça impressionne. Un rave qui est tzadik, avec une... D'accord ? Plus il va vieillir, plus au contraire, il va avoir une beauté qui va inspirer beaucoup de pureté et rapprocher du... Donc, c'est un avantage à la fois pour lui, de nouveau, pour que ses paroles, ses conseils qu'il va pouvoir donner, ils vont être mieux acceptés. Surtout avec son expérience aussi, si on parle de la zikna, que c'est la sagesse, et à seiva, donc la vieillesse, ce sont des avantages pour eux. Ve'abanim, et comme ce qu'on avait expliqué depuis le début, les enfants aussi de nouveau, que maintenant, il apporte sur terre, il se décuple sur terre en apportant des tzadikim comme lui. Donc tout ça, c'est Ne'el, la tzadikim, Ve'na'el, Olam. Et on rapporte à présent des psukim. Chez Ne'emar, comme nous dit le verset, Ateret tif eret seva, bederech tzedaka timatse. Ateret tif eret, une couronne de splendeur et la vieillesse. Bederech tzedaka timatse, elle se fait donner par tzedaka, par bonté d'Hachem. D'accord ? C'est le principe. Le Rashi, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à comprendre comment ça entre exactement dans les psukim. Rashi, lui, on a le pirouche de Rashi sur le Perek Shishi de Avot. Rashi dit comme ça, Teret, on parle de couronne, donc tu parles de richesse. Et Tif Eret, c'est le Noy. Et donc tout ça, c'est pour la Seiva. Il y a ici, je crois que j'avais lu dans le Midrash Shmuel que c'était un peu mieux. Le Tiferet d'Israël, il s'est tellement pris la tête à comprendre les psukim qu'il a préféré dire qu'en réalité, Noy, Koach, Osher, je ne sais plus lequel encore, c'était même pas la peine de rapporter des psukim. En fait, les psukim, ils sont juste venus par rapport à la zikna et la seiva pour résoudre quelques petits problèmes techniques. C'est assez difficile de comprendre qu'en fait, comment. Qu'est-ce que la Mishnah a voulu déduire de ce pasuk. En tout cas,
Il a expliqué, je crois que c'était dans le Midrash Moïse, j'avais eu une seconde, Ratsa Shmo, le Shalom, Amelech, Alav Shalom, le Shabeach, le Ferme, Alata, Tehila, Taseiva, Kenana, Majora. Bon, d'accord, ok. Veomer, Tiferet, Bachurim. Donc de là, en tout cas, on apprend que la Seiva, elle est à Teret, Tiferet, c'est une splendeur. C'est-à-dire quelqu'un qui vieillit, lorsqu'on va voir dans les hôpitaux, dans les batéavot, dans les maisons de retraite, on va avoir des petits vieux qui n'ont pas été talmid raham dans la vie, qui n'ont pas sauvé leur vie à faire des mitzvot. On remarque que les pauvres, plus ils vieillissent, plus on devient des petits-enfants. Alors que lorsqu'on va voir les talmid rachamim, que eux, ils vieillissent davantage, la seiva chez eux, elle est encore plus impressionnant. Donc c'est une couronne de splendeur, leur vieillesse, d'accord ? Ve'omer, et à part ça, le pasuk nous dit encore, tif eret bachurim kocham. Les bachurim qui se donnent dans l'étude de la Torah et dans le mitzvot, la splendeur pour les bachurim, c'est leur force. Donc la force, elle est belle pour eux. À la différence de la force pour les délinquants, ça veut dire qu'on va se faire casser les dents, qu'on va rentrer chez soi à la maison, on va se faire dépouiller. Alors que chez les bachurim, au contraire, c'est une splendeur pour eux. Hadar skenim, seiva. Hadar skenim, c'est le hadar. Hadar, c'est la prestance, je ne sais pas comment dire, la gloire, comme ça, le... Donc, pour la Seiva, pour les Skenim. Ve'omer, Ateret Chachamim Oshram, et aussi, le pasuk nous dit encore, la couronne des sages est leur richesse, c'est-à-dire qu'avec la richesse, de nouveau, ils se couronnent de leur richesse, ça leur permet de faire plus de mitzvot. Et aussi, Ve'omer, et encore, le pasuk nous dit, Ateret Zkenim Ben Evanim Vetiferet Vanim Avotam. Clairement, la couronne des Zkenim, des vieux, ce sont leurs petits-enfants, du fait qu'eux, ils continuent dans le droit chemin du grand-père. De ce fait, c'est une couronne de nouveau pour les grands-parents. Ve'omer, et alors là, on va plus parler du kavod cette fois-ci. Ve'chafra levana u'boshar hama kimalach hachem tzavakot be'artzion be'roshalayim ve'neged zekenav kavod. Là, il faut comprendre de quoi il parle le pasouk dans Yeshayahu. C'est un pasouk qui parle de la venue du Mashiach, lorsque Hachem dévoilera sa lumière sur terre. Et alors, pour nous expliquer comment cette lumière, elle sera forte, quand on parle de lumière, je ne sais pas si on parle de lumière matérielle, ou plutôt de lumière spirituelle, de dévoilement, de clarté, de clairvoyance, où on verra la présence d'Hachem. Alors, le pasouk illustre ça en nous disant que la lune, comme le soleil, ils auront honte de leur lumière, tellement qu'il y aura une lumière beaucoup plus forte qu'eux. D'accord ? Vechafra alevana. La levana... Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Vechafra levana, elle ira s'enterrer, elle se creusera, elle se fera un trou pour aller se cacher. Elle se cachera, la lune. Et le soleil aura honte quand Kimalach Hashem Tzvakot Be'artzion ou Mirushalayim, lorsqu'Hashem viendra régner clairement sur Artzion, le monde de Tzion et à Yerushalayim. Ve'neged zekenav kavod. Et alors, face à ces zekenim, aux sages de la Torah, alors il y aura un grand honneur. C'est-à-dire, en fait, le pasouk nous dévoile qu'au monde futur, parce qu'Hachem dévoilera sa lumière sur terre, eh bien, tout le monde aura honte, à l'exception des Talmidei Chachamim, au contraire, et ils auront le kavod, l'honneur éternel. Donc de là, on apprend qu'à nouveau, que le kavod pour les Talmidei Chachamim, c'est positif. Rabbi Shimon ben Benassia conclut la Mishnah, c'était d'ailleurs l'auteur de la Mishnah, qui rapportait au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, il raconte lui, Elu sheva midot shemanu chachamim kolam nitkaimu berabi. Kolam nitkaimu berabi ou benav. Elu sheva midot shemanu chachamim la tzadikim kolam nitkaimu berabi ou benav. Il nous dit comme ça que les sept vertus que l'on a énumérées dans notre Mishnah, sache que elles ont toutes été réalisées chez Rabbi Udanasi et à ses enfants qui ont eu le mérite justement de jouir de ces sept vertus. Comme c'est connu que Rabbi Udanasi était immensément riche, et il était immensément, grâce à lui, d'ailleurs c'est lui qui a réussi à rédiger toute la Mishnah, c'était quelque chose d'extraordinaire de pouvoir réunir tous les Talmidei Chachamim pour leur demander de rapporter leurs enseignements, pour ensuite organiser la Mishnah. Il était proche de la Malchut, il avait tous les honneurs possibles. Malgré tout, lorsqu'il est mort, la Gemara raconte qu'il a levé ses 10 doigts au ciel, il a dit « Hachem, tu es témoin que de ces 10 doigts, il n'y en a pas un seul qui a profité de trop de ce holamazé. » Il était complètement au-delà des plaisirs du monde. En tout cas, il avait ces 7 vertus qui lui ont permis au contraire de faire une révolution dans la Torah à son époque. Et la Mishnah donc conclut en nous disant que « Travail dur, tu auras ce mérite toi aussi, Bezrat Hachem, peut-être. »
ne faut pas tellement l'espérer, il ne faut pas courir après. Mais malgré tout, sache que celui-ci, si tu veilles à être un vrai tzaddik, Tamit Chacham, en te donnant au maximum, alors forcément, Hachem il va vouloir t'aider à réussir encore plus dans ton programme, dans ton projet. Et tout ça va être, il va te donner à juste mesure pour toi, il va te donner cette vertu pour que tu puisses continuer, au contraire, à diffuser la Torah autour de toi. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.